Message magique de la semaine. Semaine du 13 au 19 mai 2019. Bonjour à toutes, belles âmes. On se retrouve avec l'oracle Guérir avec l'aide des fées de Doreen Virtue. Première carte de ce tirage, exercice physique. Alors avec cet oracle des fées, eh bien, il faut savoir que les fées sont toujours remplies de bonnes intentions et qu'elles sont toujours de bons conseils. Et là, en l'occurrence, elles vous demandent de prendre soin de vous, notamment de votre corps. Alors, accueillez ce que vous ressentez pour chaque partie de votre corps. Si vous avez des douleurs, prenez le temps de vous soigner, de procéder à des massages. On vous demande aussi de prendre soin de votre corps en pratiquant un ou plusieurs exercices. Alors, bah évidemment, c'est à vous de choisir l'exercice physique qui vous conviendra le mieux, parce que ça peut aller de la simple balade en forêt à la pratique de la course ou de la natation. Voilà, donc écoutez vos envies, comment vous voulez bouger, laissez exprimer votre corps. Alors, cette semaine, on se laisse guider par le mouvement. Voilà, exprimez-vous à travers votre corps et bichonnez-vous par quelques petits exercices physiques. Troisième carte de ce tirage, faites-vous de nouveaux amis. Eh bien, la joie, les rires que vous allez diffuser cette semaine vont certainement vous rendre attractif. Ce côté attractif peut très souvent vous amener un nouveau cercle d'amis. Vous devenez un aimant finalement. Voilà, vous allez certainement faire de nouvelles connaissances et ça sera plutôt agréable. Donc vous laissez porter par cette vague d'échanges, de chaleur, de partage avec ces nouvelles rencontres, que ça soit amicale ou professionnelle. Donc il faut quand même souligner que autant vous allez faire certainement de nouvelles connaissances, mais vous allez peut-être aussi remarquer que certains de vos amis, que ce soit famille, collègues ou la famille, eh bien vous allez peut-être constater qu'il y a un détachement, voilà, une distance qui s'installe. Donc là, j'allais dire, bah, faut pas vous en faire. C'est pas forcément de la compréhension, du rejet ou même du jugement hein, dans cette distance. Non, c'est simplement le fait que vous avez de nouvelles énergies et donc forcément, vous attirez de nouvelles personnes. Et c'est une évolution, hein. Il faut le prendre comme une évolution et voilà, vous allez constater que ces points d'attraction, eh bien, ça vous amène vers voilà, de nouveaux échanges, de nouveaux thèmes qui seront abordés, de nouvelles situations qui vont se présenter. Et parfois, ça fait beaucoup, beaucoup de bien, le renouveau.
Petite synthèse de la semaine. Alors, les fées, vous conseillez de pratiquer un exercice, quel qu'il soit en tout cas, dans la semaine, pour prendre soin de vous, soin de votre corps, et puis prendre également soin de votre morale avec beaucoup de rire instauré cette semaine. Et enfin, eh bien, voilà, accueillez cette nouvelle rencontre que vous ferez, ces nouvelles rencontres qui seront forcément enrichissantes puisque vous apprendrez de nouvelles choses, vous communiquerez différemment peut-être. Et tout ça, c'est ce qui fait que votre semaine sera riche. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous.